La Banque africaine d'import-export Afreximbank devrait bénéficier d'un montant de 227 millions de dollars à investir en faveur de l'emploi, du secteur commercial et de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une facilité de prêt étalée sur 15 ans accordée par la Banque européenne d'investissement. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre effective de cette facilité, qui annonce le financement par Afreximbank de projets d'action climatique en Afrique, débouchera sur de solides résultats en matière de développement, notamment la création d'emplois, l'augmentation des activités économique et l'augmentation des recettes fiscales pour les gouvernements aux prises avec des difficultés financières. Grâce à ce montant, la banque prévoit d'améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises dans 40 pays du continent. De plus, 25% du montant décaissé devrait être consacré à des projets qui contribueront à diversifier le mix énergétique dans la région, à réduire la dépense vis-à-vis des combustibles fossiles et à soutenir les objectifs climatiques. Dans toute économie et même les économies développées, et les petites et moyennes entreprises occupent au moins 80%, si vous voulez, du bassin des entreprises. Financer les PME, ça permet non seulement la création d'entreprises, la création de richesses, mais aussi ça permet la création d'emplois. Pour rappel, Afreximbank prévoit de décaisser plus de 90 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain entre 2017 et 2021, ce qui devrait contribuer à augmenter le commerce intra-africain à 250 milliards de dollars par an.